Alors, le système linéaire à paramètres, on demande à résoudre ce petit système-là. Alors, moins x plus 2y égale a et 2x moins 4y égale b. Ok? Alors, tu vois comment on peut faire? Tu utilises le pivot de Gauss, donc on dit que d'accord, hop, ok. Dit que la ligne 1, ah ouais, donc du coup il y a combien d'inconnus? Deux inconnus, deux équations, deux paramètres A et B. Ok, alors on peut dire que la ligne 2 c'est la ligne 2 plus 2 fois la ligne 1. Alors c'était un truc comme ça, 2 fois la ligne 1 c'est moins 2x plus 4y égale 2a. La ligne 2 c'est 2x moins 4y égale b. Ok, donc les lignes elles étaient voilà. Donc ça donne, si on additionne 0, 0. 0 plus 0 égale 2a plus b. Et voilà, c'est le 2a plus b qui va. Donc si on. Alors, moins x plus 2y égale a, et on a 0 égale 2a plus b. Ce qui est intéressant. Et maintenant, on va considérer plusieurs cas. C'est le 0 égale 2a plus b qui nous intéresse là. D'accord? Parce que, du coup, si alors, faire le premier cas, alors, 2a plus b égale 0. Ok. Non, différent de 0, pardon. On a un truc 0 qui est différent de 0. Système incompatible, pas de solution. Pas de solution. Ok. Alors, est-ce que j'ai vu ça moi? Voilà. Non, je sais pas où j'ai vu ce truc. Pas de solution. Ok. Ok, bon, continue. Alors, deuxième cas, c'est que 2a plus b, c'est égal à 0. Donc, on a un truc 0 égale 0. Ok. Du coup, l'équation, elle s'écrit moins x plus 2y égale a, 0 égale 0. Ok. On exprime x en fonction de y. Donc ça fait que 2y moins a égale x. Donc du coup, ensemble de solutions xy, on en a une infinité. Okay, et ça s'écrit, hop, 2y moins a, ok, y. Y appartient à R. Je crois que c'était un peu étrange ce truc là. C'est bizarre. Ouais, je sais pas. C'est un peu. Voilà. Voilà pour la résolution du truc.